Jean, regardez-nous en bas. Madame Signoret, Madame Signoret, s'il vous plaît, Simone. C'est là que ça se passe. Oui, madame. La télévision civile, c'est aussi qui est... Attendez, encore attendre une seconde. Alors dans quelques instants, vous allez voir un phénomène très curieux. Il suffit d'avoir une grande actrice de la taille de Simone Signoret pour que se produise un effet d'aimantation. Voici Jeanne Moreau, puis ensuite vous allez voir apparaître Catherine Deneuve. Quand vous en avez une, vous avez toutes. Monsieur Ducal, c'est prêt, c'est prêt. Madame la Présidente, c'est comme ça que je dois vous appeler, Jeanne Moreau. Je pense que vous êtes heureuse du choix. Ah si, je ne serai pas là. Je sais bien. Elle sait que nous sommes tous très heureux, quel esprit. On l'aime. Parce que non seulement c'est une grande comédienne, mais c'est une femme épatante. Et c'est un excellent écrivain aussi. Aussi. Elle est épatante, cette petite femme-là. Vous êtes toute fière, là. Vous voulez que vous êtes Heureusement, Rochefort, il m'a sauvé le coup parce qu'il a dit à peu près ce que je voulais dire. Jeanne Moreau. Oui, oui. Jeanne Moreau. Vous avez fait un très bel article qui est paru en ce qui concerne les Césars. Oui. Oui. J'aurais pu m'expliquer le fond de votre pensée quand vous avez fait ça. Le fond de ma pensée, c'est que je voudrais que tous les spectateurs, c'est-à-dire tous les Français, sachent très bien que ce n'est pas une plaisanterie le cinéma, ni seulement un divertissement, mais que c'est important dans la vie d'un pays, c'est-à-dire que c'est une industrie cinématographique. Et dans les autres pays, en particulier l'Amérique, dont nous recevons beaucoup de films, l'importance de l'industrie cinématographique est primordiale. Donc les financiers s'y intéressent. Voilà ce que je voulais faire comprendre. Est-ce que nous retrouverons Jeanne Moreau, réalisatrice, après Lumière? Est-ce qu'un autre film viendra? Oui, c'était... Elle en est tout un très beau que je connais. Simone a lu le scénario. Vous voulez pas me raconter, non? Non. Bon, je vous remercie d'être venu. Bravo, Simone, et merci, Jeanne.